ce matin. Il est temps maintenant des questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Les médias disent qu'on va annoncer la troisième étape du déconfinement de certaines entreprises, mais les parents attendent toujours des nouvelles de la part de ce gouvernement qu'on s'engage à une réouverture des écoles de 5 jours/semaine avec des places en service de garde sans un plan. On n'a pas un plan pour rouvrir l'économie, non pas pour des centaines de femmes qui travaillent, des milliers de femmes qui travaillent qui ont besoin des services de garde et les écoles pour retourner au travail. Est-ce que le gouvernement va annoncer ses plans en éducation cette semaine ou aujourd'hui? Je ne peux pas apporter de commentaires sur de quoi il s'agit de notre presse de conférence, notre conférence de presse, mais je peux vous dire que ça va être très emballant, comme c'est toujours le cas, de s'assurer qu'on puisse assurer la sécurité et la santé des familles et des élèves aussi pour qu'ils puissent reprendre les salles de classe dans un environnement sécuritaire complémentaire. Bien, Monsieur le Président, les gens ne peuvent pas reprendre le travail à moins que leurs enfants puissent reprendre les classes et les services de garde. Alors que le gouvernement a ignoré les familles la semaine dernière, les conseils scolaires ont passé leur dernière semaine de tenter de trouver tous les moyens pour mettre en œuvre une rentrée scolaire et de renverser la décision du gouvernement de renvoyer les élèves à temps partiel. Le Conseil scolaire de Toronto a dit que le plan hybride de la part du gouvernement impose un fardeau extraordinaire sur les parents, et en particulier les femmes et les gens à faible revenu, et va mettre en danger la relance économique. Est-ce que le premier ministre va établir un vrai plan pour que les parents n'ont pas à choisir entre leur emploi et leurs enfants? Premier ministre, avec tous les conseils qu'on a reçus de la part des médecins hygiénistes, nous avons décidé de permettre à chaque conseil scolaire de prendre une décision, leur donner 3 critères qu'ils peuvent travailler avec. Mais pour appuyer les conseils scolaires, nous apportons les plus grands investissements en éducation dans l'histoire de l'Ontario. 25 milliards de dollars. C'est 730 millions de dollars de plus que l'année dernière. On augmente le financement par élève de plus de 250 $ de plus. Chaque conseil scolaire va avoir une augmentation de financement qu'ils n'ont pas vue auparavant. Dernière complémentaire, il y avait un principe dans la province de l'Ontario. Peu importe un élève où ils habitaient, ils pouvaient avoir accès à une éducation de qualité qui est publique, qui est égale partout dans la province. Il semble que ce gouvernement est en train d'abandonner cette théorie. À Ottawa, des fiduciaires ont voté pour envoyer les élèves 5 jours par semaine après que les parents ont soulevé des préoccupations que le non-plan de la part de ce gouvernement allait empirer la situation. Et les parents ont dit que ce plan était injuste et qu'une réunion Google une fois par semaine n'est pas une éducation. Les parents ont dit très clairement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on puisse travailler et être des enseignants en même temps. Donc, encore une fois, au premier ministre, les médecins hygiénistes, les conseils scolaires, les parents, les exploitants, services de garde, demandent tous au gouvernement de faire mieux. Où est le plan pour la rentrée scolaire et d'ouvrir les services de garde dans la province? Au premier ministre, encore une fois, on doit parler à 2 différents groupes. Moi, je parle à tout le monde dans la province et je ne sais pas à qui la leader de l'opposition officielle parle, mais de la part des parents, ils me disent que c'est un bon plan. Les fiduciaires nous remercient de leur permettre d'avoir cette option au lieu d'imposer une option sur eux. Donc, chaque compétence est un peu différente. Ce qui s'applique à Kenora ne s'applique pas à Hamilton ou à Toronto. Donc, on leur permet d'avoir la souplesse de mettre en œuvre leur propre plan et de travailler avec les conseils scolaires et de s'assurer de travailler avec les parents et les organisations de la communauté. Nous allons aller de l'avant en septembre et d'assurer la sécurité des enfants. C'est notre première priorité. Merci. Nouvelle question. Encore une fois, leader de l'opposition officielle, ma prochaine question est aussi pour le premier ministre. Mais je dois dire que même les employeurs sont très préoccupés au niveau du manque de plans de la part de ce gouvernement et du manque de financement pour les écoles. Le premier ministre a dévoilé la semaine dernière un projet de loi de 150 pages, omnibus,
et a prétendu que c'était une réponse à la COVID-19. Le projet de loi va en faire beaucoup pour des promoteurs qui donnent de l'argent aux partis. Des progressistes conservateurs ne fait rien pour les parents. Ce n'est pas un plan pour ouvrir les écoles ou d'aider les municipalités qui sont aux prises avec des compressions. Et encore plus décevant, c'est que il ne mentionne même pas une seule fois les soins de longue durée. Le premier ministre a dit souvent que les soins de longue durée, c'est une priorité urgente. Pourquoi est-ce qu'on ne la trouve plus sur la liste de priorités de ce gouvernement? C'est un peu choquant, épatant, que c'est la première fois que la leader de l'opposition officielle parle et se préoccupe des entreprises. Donc, c'est un peu différent de sa part. Nous avons un très bon plan et pour toutes les entreprises de toutes les tailles. Et ce que je reçois de leur part, c'est qu'ils me remercient de travailler avec eux, de faire en sorte qu'on puisse faire avancer la province et nous remercient de ne pas faire comme les États-Unis, de déconfiner complètement. Comme on a vu en Floride, il y a eu 15 000 cas. Nous allons adopter une approche plus raisonnable, plus songée, complémentaire. Il semble que le premier ministre a décidé de ne pas parler des soins de longue durée dans cette question, donc je vais continuer de poser des questions là-dessus. Le premier ministre a prétendu pendant des semaines que des changements urgents sont nécessaires dans les soins de longue durée. C'est ce qu'il a prétendu. Par contre, la semaine dernière, il a déposé un projet de loi de 150 pages dans cette Assemblée et il n'y avait aucun changement pour les soins de longue durée dans ce projet de loi. Pendant des années, des familles et des travailleurs de première ligne ont proposé, par exemple, une norme de qualité et de soins de qualité de 4 heures par résident. C'est une mesure très simple qui permettrait aux résidents de recevoir l'attention qu'ils ont besoin et qu'ils méritent d'avoir. Pourquoi est-ce que ce n'était pas dans le projet de loi? Premier ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, c'est tellement ironique de la part de la leader de l'opposition officielle et de l'ancien gouvernement. Ils n'ont rien fait. Ils ont ouvert 600 lits dans soins de longue durée sur une période de 15 ans. Et lorsqu'il s'agit de la climatisation, Monsieur le Président, vous savez quoi? La chef de l'opposition officielle, ça fait depuis 2009 qu'elle est là. Elle n'a pas dit un seul mot au sujet de la climatisation. Et il y a toutes sortes de choses qu'on pense et qu'on ne pense pas. Et je voudrais remercier la journaliste de la CBC qui l'a soulevé parce que maintenant, on n'a pas à s'inquiéter alors qu'on investit dans la climatisation, non seulement dans les endroits communs, mais dans chacune des salles individuelles. Et ils n'ont rien fait pendant plus de 11 ans sur ce dossier. Rien du tout. Une dernière complémentaire. Bien, Monsieur le Président, le premier ministre aura à corriger son bilan, parce que c'est depuis 2004 que je suis là et depuis 2006 que je milite pour la climatisation dans les soins de longue durée. Et en 2007, je l'ai soulevé ici pour la climatisation dans les soins de longue durée. Donc, le premier ministre doit faire ses devoirs, malheureusement, encore une fois, mais la semaine dernière, il a prétendu qu'il était outré au manque de climatisation dans les soins de longue durée. Et il y a plus d'une décennie, lors des audiences sur la loi sur les soins de longue durée, les personnes âgées ont demandé qu'il y ait de la climatisation dans tous les foyers de soins de longue durée, que cela devienne une loi. J'ai dit qu'on pourrait adopter ce projet de loi la semaine dernière. On pourrait établir ce critère, cette norme. Mais il s'est assuré que ses promoteurs pourraient avoir une approbation très rapide avec le projet de loi Omnibus de la semaine dernière, mais les personnes âgées dans les soins de longue durée n'ont rien vu. Aucun changement dans ce projet de loi Omnibus. Pourquoi? Rappel à l'ordre. Au premier ministre, afin de répondre, encore une fois, je voudrais corriger la leader de l'opposition néo-démocrate. Elle n'a pas rien fait pendant plus de 11 ans, mais c'est plutôt 16 ans qu'elle n'a rien fait sur ce dossier. Ce qu'on a fait, Monsieur le Président, par contre, c'est d'investir 243 millions de dollars dans les soins de longue durée. On va faire plus d'argent dans les soins de longue durée que la province n'a jamais vu. On va permettre d'ouvrir plus de lits, plus d'espace pour eux. Il y a une chose pour confronter une crise, mais il y a une autre chose d'agir concernant une crise et nous agissons.
question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse aussi au premier ministre. J'ai eu la chance d'aller à la région de Windsor-Essex et d'entendre directement des défis que les gens ressentent là-bas. Même si le premier ministre dit qu'il a tous les gens étaient du côté pour travailler, pour aider la région avec l'éclosion chez les travailleurs migrants. À la fin de la semaine dernière, les maires locaux étaient très clairs. Les efforts étaient non coordonnés et chaotiques. Il a dit que cette approche, que tout le monde travaille, comment ça se fait que la main gauche ne sait pas ce que la main droite fait? Le premier ministre, sans donner les noms, il y a de bons maires en communication. Et ils n'ont pas le temps. Un maire m'a dit qu'ils n'ont pas le temps pour les néo-démocrates parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas visité. Mais j'ai hâte d'y être jeudi pour rencontrer les agriculteurs, les travailleurs, les propriétaires de PME à Kingsville, à Leamington. Et j'ai une relation extraordinaire avec les deux maires là-bas. Et j'aurai plus de commentaires quand je reviendrai de cette visite à Leamington jeudi, et je couperai quelques de mes cheveux. Question complémentaire? Parler, c'est facile. Dans d'autres provinces, on a démontré du leadership pour contrôler les éclosions et empêcher qu'elles aient lieu en première place. Mais en Ontario, on a des gouvernements locaux qui essayent de remplir les lacunes et un manque de coordination complète parce que ce premier ministre et son équipe n'a pas répondu à l'appel. Lundi, 19 des 166 fermes avaient vu. Et le premier ministre est plus intéressé à dire que les travailleurs migrants essayent d'éviter les tests plutôt que de résoudre le problème. Quand est-ce que le premier ministre va démontrer du leadership et faire ce qui s'impose? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est une bonne occasion pour remercier toute la population en Ontario. 14,5 millions de personnes qui se rassemblent à chaque jour pour travailler, pour assurer la défaite de la COVID-19. On a beaucoup à faire encore, mais en travaillant ensemble, on va y arriver. Monsieur le Président, quant à Kingsville et Leamington, il faut remercier toutes ces petites entreprises. Heureusement, parce qu'ils ont travaillé ensemble, ils sont maintenant à l'étape 2. Et Monsieur le Président, on ne peut pas oublier des bonnes nouvelles que la population a entendues. On a beaucoup à faire, mais 378 000 emplois ont été créés en Ontario le mois de juin. C'est de bonnes nouvelles pour Kingsville et Leamington et pour toute la population ontarienne. Question suivante, le député de Mississauga Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Au début de la pandémie mondiale, partout au monde, on a essayé de trouver de l'équipement de protection individuelle critique et le Canada avait des problèmes parce que l'équipement venait de la Chine, des États-Unis et d'autres pays. En avril, le premier ministre, vous avez dit que cette province ne serait pas dans cette situation à la merci d'autres pays, d'autres chefs pour d'équipements en santé parce que l'Ontario est le moteur de manufacture. Comme j'étais dans la compagnie Ford de l'Ontario pendant 31 ans, j'étais un cadre, je me suis impliqué dans la politique parce que ce qui s'est passé dans le secteur manufacturé, est-ce que vous avez fait pour tourner le secteur manufacturé? Réponse, oui, merci aux députés. Nous sommes dans cette situation. Il y a 3 mois depuis qu'on a appelé les manufacturiers de l'Ontario pour se rassembler et pour appuyer la population ontarienne plutôt, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont répondu à l'appel. Maintenant, il n'y avait pas un seul manufacturier. Et maintenant, il y a 23 compagnies qui demandent à construire des masques chirurgicaux et beaucoup d'autres pour des masques N95. On a déjà acheté 26 000 plus, 175 gants chirurgicaux, 123 000 et 4 millions de
de visières et de masques. C'est ce que la population fait. C'est une bonne chose. Question complémentaire? Je reviens au premier ministre. Le secteur manufacturier génère 300 milliards de dollars et plus de et font de l'exportation à 80%. Nous sommes un titan de l'industrie et tous les Ontariens sont fiers. Les chiffres d'emploi ont donné de bonnes nouvelles pour nos concitoyens de la population de la province. 378 000 emplois ont été ajoutés à l'économie en juin. 378 000 personnes qui sont au travail de plus. On a vu 66 plus dans le secteur manufacturier, 66 000, et 34 000 dans la construction quand on essaie d'avoir la relance. Maintenant, plus que jamais, il faut appuyer les manufacturiers et les entreprises ontariennes. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut partager avec l'Assemblée ce qu'on fait pour faire la promotion des entreprises et du secteur manufacturier Ontario. Le Premier ministre, j'étais à VCME et c'était vraiment bien de savoir qu'il y a 378 000 personnes qui sont de retour au travail, mais il faut faire plus. Nous avons vraiment la force manufacturière en Amérique du Nord. On fait 390 milliards de dollars par année dans les deux sens. Nous sommes le client tout premier aux États-Unis, combiné à, si on combine la Chine, le Japon et les Royaumes-Unis. Si on décide de faire quelque chose, il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire ici, fabriquer ici en Ontario. Donc, c'est la solution, faire en Ontario. Merci. Question suivante, le député de Essex. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les infections de la COVID-19 au comté d'Essex et à Chatham-Kent-Leamington, des centaines de travailleurs migrants sont malades et on a eu des décès. Et donc, on donne nos condoléances aux familles. Mais Monsieur le Président, plutôt que de faire plus de tests pour contrôler, le test mobile a été donné à une compagnie privée qui a un lien intéressant avec le Parti conservateur. Jim Silverstein, ancien directeur général du caucus progressiste conservateur. Pourquoi, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre est prêt à donner des services vitaux aux amis des partis conservateurs et aux initiés? La vice-première ministre, merci pour la question, mais je peux vous assurer qu'on a eu des tests qui élargis et coordonnés avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les administrations locales, avec les maires, les unités, les bureaux de santé publique. On a les gens qui étaient ensemble, les gens qui sont positifs, et donc il y a les professionnels de santé, des infirmières, avant qu'ils reviennent au travail, s'ils sont symptomatiques, ils reçoivent l'attention médicale. Plutôt que d'ignorer la situation, on s'est rassemblés, on a mis nos forces ensemble, on travaille ensemble pour assurer que les gens soient protégés, chaque travailleur migrant dans toute la région. Question complémentaire. Merci à la ministre de la Santé. Ce n'est pas le message qui sort de notre collectivité basé sur le point de presse du leadership municipal et des gens de santé publique. Les Ontariens doivent savoir si ce contrat était à source unique et quelle est la valeur et quand est-ce que le directeur, celui qui a envoyé Ontario News Now, des fausses nouvelles, il aurait pu, les travailleurs, les fonctionnaires auraient pu le travail, mais le Premier ministre met l'idéologie avant le public, même pendant la pandémie. Il y a un initié qui a pris une partie du pot et des deniers. Pourquoi le Premier ministre a fait la sous-traitance des tests dans le secteur agricole et elle va déposer toute l'information pertinente? La vice-première ministre et ministre de la Santé.
Le premier ministre met la santé de tous les gens avant tout, et c'est pourquoi on a débloqué des ressources. On a le ministère du Travail, le ministère de la Santé, de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'Alimentation qui travaillent ensemble pour envoyer les équipes, pour ouvrir des centres d'évaluation, avoir des tests mobiles. Tout ce qui va répondre avec les opérations qui ont lieu, parce qu'on sait que c'est des exploitations agricoles qui sont en fonctionnement. On travaille avec les propriétaires pour assurer qu'on puisse être là et que tous les travailleurs soient testés. C'est important pour la santé et sécurité. S'ils sont asymptomatiques et positifs, ils seront dans une partie séparée, contenue, et ils ne vont pas revenir au travail avant qu'ils soient évalués. Avec une évaluation médicale et on envoie les bureaux de santé publique pour assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Nous voulons nous assurer que toute la région soit libre de la COVID-19 pour la santé et sécurité de tout le monde. C'est pourquoi on travaille et c'est ce que le Premier ministre travaille et nos ministères aussi. Question suivante. Le député de Simcoe Gray. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection des Parcs. Le site historique de Nancy Island à Wasaga Beach est fermé cette semaine parce qu'il a eu beaucoup de dommages suite aux inondations. Mais le gouvernement a fermé le centre de renseignement. Ce n'est pas dans l'île. L'île, c'est dans la terre, à côté, dans le continent à côté de l'île. Non, c'est le centre, ce n'est pas juste la responsabilité du gouvernement provincial, comme le ministère. C'est un partenariat entre les parcs Ontario, la ville de Wasaga Beach, le tourisme de la baie de Georgian Sud, la chambre de commerce, et c'est des gens, des amis de l'île Nancy qui y travaillent. Je demande, est-ce que le gouvernement peut revoir cette situation unilatérale? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci de la question du député d'en face pour dire la sécurité de tous les visiteurs, de tous les Ontariens, c'est la première chose dans notre esprit quand on rouvre les parcs. C'est la toute première priorité. Et on va continuer à travailler lentement pour ouvrir tous les établissements et évaluer notre approche pour assurer qu'il y a des ajustements faits pour que les gens restent en sécurité. Et ça basé sur les conseils de la santé. Le centre de bienvenue du Wasaga n'a pas ouvert pour 2020 à cause de la COVID-19, mais je peux vous assurer, et le député d'en face aussi, que mon ministère va travailler avec les intervenants, les amis de la ville Ansett et la ville de Wasaga Beach pour trouver une solution afin qu'on puisse donner une région sécuritaire pour les gens qui viennent et pour assurer que les services d'enseignement soient là pour les gens qui visitent. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Je ne veux pas avoir oui pour une réponse. Aussitôt que c'est sécuritaire, veuillez l'ouvrir. C'est important pour les entreprises. Comme le reste de la province, ont des difficultés. Et Wasaga Beach est dépendante du tourisme à 100%. Je veux remercier le ministre de Tourisme de venir à ma circonscription et le ministre des Parcs qui a ouvert finalement 8 ans. Des salles de bain à Wasaga Beach, à la nouvelle plage. Félicitations au gouvernement. Et nous avons vérifié s'il y avait des salles de bain. La population de Wasaga Beach faisait attention. Réponse? À l'Assemblée législative, je peux dire député d'en face, a été un champion de la population de sa région depuis 1990. Nous sommes fiers qu'il continue. Il est encore là. Je dois vous dire, on va continuer. Les parcs Ontario va continuer à ouvrir en veillant à la sécurité des gens. Et je dis aux députés d'en face que la région de Wasaga Beach, c'est une grande priorité de cette province. On va les appuyer quand ils font la réouverture suite à la COVID-19. Les parcs Ontario, ce qu'ils peuvent faire, on va les appuyer. Quand il y aura plus de tourisme, on va appuyer la collectivité pour assurer qu'ils puissent faire un bon travail. Et je remercie le député d'en face de sa question. Question suivante.
Le député de Mississauga East Cooksville. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je sais très bien, en regardant les enjeux au conseil scolaire de Peel, dans l'éducation ontarienne, il y a des problèmes d'inéquité. C'est pourquoi j'étais fier de voir notre gouvernement passer au geste la semaine dernière et annoncer des changements au système d'éducation qui vont aider à enlever des obstacles pour les étudiants noirs autochtones et racialisés. Quel changement est-ce que notre gouvernement fait pour donner à tous les étudiants une occasion unique pour avoir du succès? Le ministre de l'Éducation, merci au député de Mississauga Cooksville pour sa défense et son respect. On croit que chaque étudiant, peu importe leur couleur de leur peau, leur foi, leur héritage, revenu ou orientation sexuelle, mérite d'avoir l'occasion d'avoir du succès. La transformation va mener les étudiants à avoir des succès et enlever des obstacles qu'ils ont sentis. Après une année de consultation, le caucus parlementaire, aidé par l'adjoint parlementaire, à écouter les parents qui demandaient d'avoir d'âge. Et c'est pourquoi on a passé au geste quand arrêter les suspensions a donné ne pas avoir des gens envoyés pour certains cours et d'avoir des salles de classe sans discrimination. On va avoir de la formation obligatoire pour les gens dans l'éducation et dans les conseils scolaires et enseignants et autres pour assurer qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de racisme. Et donc, on veut faire ce qu'on peut, tout ce qu'on peut pour les étudiants. Merci. Et merci au ministre de la réponse. Je suis content que notre gouvernement prend ces enjeux sérieux et pose des gestes décisifs pour arrêter le racisme systémique dans nos écoles. Les élèves méritent d'avoir une occasion égale au succès et amener ce changement. Je sais qu'il faut appuyer les conseils scolaires afin qu'ils puissent faire ce travail important. Est-ce que le ministre peut dire comment notre gouvernement appuie financièrement les conseils scolaires pour qu'ils fassent ce travail important? Le ministre? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour la question. On a attribué plus de 4 millions de dollars pour aider les conseils scolaires à changer la politique sur les suspensions et pour embaucher d'autres gens du professionnel. De plus, on a attribué 1 million de dollars en plus de 4 millions de dollars pour aider la santé mentale pour les enfants racialisés. Et c'est en plus du doublage historique des soutiens de santé mentale. En plus, on donne 2,5 millions de dollars pour le programme des bourses pour les jeunes noirs et autochtones. On veut avoir les mêmes résultats pour tous les élèves et débloquer le potentiel de tout enfant de cette province. Merci. La députée de Toronto Saint Paul. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. La plupart des cas de la COVID-19 ont été des femmes et selon la Fondation des femmes dans ma circonscription, 90% sont des infirmières, c'est des femmes noires et racialisées pendant le grand-parent. 80% des parents d'une famille monoparentale, c'est des femmes et les femmes sont surreprésentées chez les travailleurs dans le détail, et vu qu'on n'aide pas pour les loyers, rien n'est venu au début de la pandémie. Monsieur le Président, ma question est, les femmes et d'autres Ontariens vulnérables ont été touchées beaucoup plus que les autres par la COVID-19. Qu'est-ce que ce gouvernement pense faire pour assurer qu'ils ne sont pas les oubliés? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci à la députée de cette question.
raison. On sait quand les femmes ont du succès dans la société, l'économie a du succès. Les femmes ont été touchées beaucoup plus par la pandémie à la maison et au travail. Les données démontrent que plus de femmes ont perdu leur emploi et ont eu des heures réduites. Moi, avec mes collègues, comme le ministre des Finances, le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Aptitudes et le ministre de l'Éducation et député de Willowdale, on a rencontré des gens de secteurs différents pour voir ce que notre gouvernement puisse faire pour mieux améliorer. Cette table ronde qui a réuni des femmes de toute la province pour donner des suggestions sur comment on pourrait aider mieux à la participation économique des femmes et identifier des moyens pour avoir des épargnes, stimuler la croissance économique, créer des emplois et rendre la vie plus abordable. Beaucoup des emplois ont de grandes aptitudes et donnent de sécurité à long terme. Il faut travailler ensemble afin que les femmes et les filles soient conscientes des occasions dans les secteurs différents pour qu'elles puissent avoir du succès. Question complémentaire. Patrice est une préposée dans notre circonscription qui a attrapé la COVID-19. C'est un des 6181 travailleurs en santé. Elle travaillait souvent toute seule dans son étage avec 24 travailleurs. Et sa santé mentale est mauvaise et elle pense que, comme beaucoup d'autres préposés, on n'a rien fait pour elle parce qu'elle est une femme racialisée. Notre sécurité économique pour les femmes doit, pour la société, doit inclure des options de garde d'enfants afin que les familles et les femmes puissent revenir en paix d'esprit. Ma question est la suivante. L'année dernière, j'ai déposé une motion demandant au gouvernement d'adopter une approche d'équité du genre intersectionnel pour tous les projets de loi et les motions. Est-ce que le gouvernement va adopter cette motion pour assurer que le plan de réouverture de la COVID-19 est redevable quant à la situation des femmes? Réponse de la ministre. Le bien-être des femmes est très important pour le bien-être des familles. C'est pourquoi il faut parler plus des services de garde d'enfants dans la province. Et on sait que le succès, c'est un levier important pour appuyer la participation des femmes au milieu de travail, pour qu'elles puissent avoir de meilleurs emplois et travailler à plein temps. Le ministre de l'Éducation et moi, on a travaillé ensemble là-dessus. On a pu avoir une table ronde conjointe sur l'impact de services de garde d'enfants sur la participation économique des femmes. On a parlé des femmes et des chefs du secteur sur ce que notre gouvernement pouvait faire pour aider les femmes davantage. Et en ouvrant l'Ontario aux affaires et à l'emploi pendant la réouverture, on veut s'assurer que les femmes participent. Merci. Question suivante, le député de Don Valley-Est. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'antiracisme. Vous avez dit que le racisme existe et vous êtes engagé à le terminer. Mais ce gouvernement a passé sous silence comment les Ontariens racialisés ont souffert le plus en question financière à la pandémie. Comme le ministre sait d'avoir les responsabilités du directorat antiracisme, il faut travailler avec d'autres ministères pour avoir des politiques avec une base des races. Beaucoup de collectivités ont été touchées, plus les communautés racialisées, plus par la COVID-19. Est-ce que vous pouvez dire, monsieur le ministre, si vous avez fait une évaluation, est-ce que vous avez contacté ces groupes, est-ce que vous avez commencé à travailler avec d'autres ministères? Le ministère responsable de la relance économique, la solliciteur générale. Merci et merci pour la question. Et je ne pense qu'il n'y a pas de doute que beaucoup, beaucoup de nos parties, de nos sociétés ont souffert beaucoup suite à la pandémie de la COVID-19. Je peux vous assurer que le directorat contre le racisme et mon ministère ont travaillé constamment avec d'autres ministères. On comprend que ce n'est pas la responsabilité du directorat ou du solliciteur général. C'est une responsabilité de toute la société et de tout le gouvernement. À ce point-là,
Je vais partager certains exemples qui sont communs. Le travail du directorat inclut des partenariats médiés entre le conseil scolaire d'Hamilton-Wentworth et le centre d'inclusion civique pour appuyer les jeunes dans la région. Si on fait un bon travail, on a des résultats excellents et on va continuer à le faire. Et je suis fier, franchement, du travail qu'ils ont fait. Merci. Question complémentaire. Merci. Je pense que la ministre a manqué la question complètement. Elle est complètement à côté de la plaque. Ma question, c'était, est-ce qu'elle a compris que le directorat de l'anti-racisme, c'est d'utiliser une perspective de racisme pour comprendre qui a été frappé le plus pendant les défis de la COVID-19? On a eu un sondage fait la semaine dernière par la Banque TD qui a déterminé les Canadiens entre 18 ans et 34 ans ont une expérience de réduite comparée à 38% de personnes qui ont 55. 70% des Philippins et 64% de Canadiens noirs, 65% des Asiatiques du Sud sont comparés à 50% de la population générale. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez dire à cette Chambre, et soyez spécifique quant à la relance économique, est-ce que vous pouvez partager avec Chambre quel est votre plan pour atténuer certaines de ces disparités, de ces collectivités qui sont frappées de plein fouet, des communautés racialisées ici en Ontario. Encore une fois, la solliciteur générale, la personne qui est à côté de la plaque, c'est le député qui pose la question. On a une approche très mesurée pour assurer, quand on retourne à la réouverture de l'économie, et de nos communautés. On veut s'assurer de le faire de façon mesurée et sécuritaire. Le député d'en face aimerait des exemples spécifiques et je suis prêt à appuyer. On a appuyé le conseil scolaire et la société d'aide aux de protection des enfants pour l'antiracisme. Le conseil scolaire de la région de Durham avec la formation pour les enseignants de la maternelle. Développer un plan d'avant-garde pour équiper les membres de la fonction publique de l'Ontario sur l'antiracisme pour qu'on réponde. Encore, je réitère, je suis fier du travail que le directorat antiraciste continue à faire dans tous les ministères, y inclut les ministères économiques. Merci. Question suivante, la députée de Richmond-York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Transports. La semaine dernière, j'étais très content de voir qu'une partie du projet de loi 197 que le gouvernement, au sein de ce projet de loi, le gouvernement propose des nouvelles mesures à nouvelles stations de métro. On va avoir un partenariat historique que la province a signé avec la région de York comme une mesure positive pour avoir des mises en chantier. Pour le prolongement du métro Yonge à Richmond Hill, les gens sont très contents dans ma circonscription de Richmond Hill. Ils sont contents de voir tellement de progrès sur ce dossier qui a été fait pendant la pandémie. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage sur que le programme est fait en ce moment et comment on va bénéficier des résidents actuels et nouveaux résidents de Richmond Hill, aussi bien que d'autres collectivités? La ministre associée des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée de Richmond de son soutien sans relâche pour l'expansion des transports à Richmond Hill. Elle a fait un travail excellent. Comme elle a mentionné, on a été occupé sur le dossier des transports en dépit de la COVID-19 et on était très content d'avoir un accord avec la région de York pour avoir le prolongement du métro. Ces accords
indique les responsabilités et les rôles quand on bâtit des nouveaux réseaux de transport ou on fait des prolongements. Plutôt que de construire des stations de métro isolées, on veut qu'elles soient intégrées avec les transports existants. Le programme va donner un mélange de logements et inclut du logement abordable, des espaces de loisirs, des services et d'autres services dont les résidents ont tellement besoin. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire? C'est très encourageant de voir que ce gouvernement est sérieux au sujet de détruire le statu quo en ce qui a trait aux constructions de transports publics qu'on attend depuis longtemps. Il n'y a aucun doute du fait que la construction de bâtiments et de transports en public est très importante en ce moment. Ce genre de pratique est fait partout dans le monde. Cependant, les gouvernements précédents n'ont pas réussi à satisfaire les demandes de nos communautés. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement propose pour assurer que ce genre de projets sont des réalités, deviennent des réalités à Richmond Hill et partout dans la province? Réponse? Je partage la frustration de la députée. Le gouvernement précédent a raté cette occasion de maximiser les bénéfices et d'étendre les projets de transport en commun. Pendant des mois, nous avons eu des consultations avec les experts et les créateurs d'emplois et les constructeurs dans la ville. Et il y a trois points principaux. Il y avait le fait que les transports en commun prenaient trop de temps, également les règles en ce qui a trait à la propriété des terrains et la flexibilité de pouvoir entrer dans des contrats d'entente avec les propriétaires. Cependant, les choses ont changé avec le projet de loi 197, si adopté. Nous allons pouvoir respecter les droits des propriétaires tout en continuant de travailler de façon collaborative avec nos parties prenantes. En le faisant, nous allons pouvoir réduire la congestion, renforcer les économies et nous lancer dans la relance. Prochaine question. Pendant des semaines, mes commettants m'ont appelé pour me dire qu'ils attendent encore les résultats en retard de la COVID-19. Cependant, la ministre a dit que les résultats arrivent en deux jours et pourtant les gens attendent pendant des semaines pour avoir les résultats et même après 13 jours. Et ces retards compliquent la vie des Ontariens et leur empêche d'assurer leur sécurité. Tout ce qu'ils veulent, c'est la confirmation qu'ils pourront enfin interagir avec leurs proches ou de savoir si oui ou non leur santé est en danger. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne règle pas le problème de tests brisés pour qu'enfin ces familles aient une tranquillité d'esprit? Réponse. En fait, nous avons améliorer grandement nos stratégies de tests depuis le début de la COVID-19. En ce moment, nous sommes en mesure de tester de façon régulière 25 000 personnes par jour. Nous avons amélioré nos capacités à 50 000 parce que nous savons qu'avec la saison de la grippe qui arrive, nous allons avoir besoin de plus de tests. Cependant, nous savons que la sécurité et la santé des Ontariens est la priorité ici. Et il y a des améliorations à faire. Il y a des circonstances dans lesquelles il y a des situations précises où on ne peut pas avoir les résultats en 48 jours, en 48 heures. Mais dans 80% des temps, 80% des tests, les résultats sortent en deux jours. On continue de travailler là-dessus parce qu'on sait que les gens veulent retourner au travail, ils veulent continuer d'avoir des relations avec leurs proches. Et c'est pour cela qu'on a augmenté nos capacités de test. Question complémentaire. Augmenter la capacité de test ne fait rien si les gens n'obtiennent pas les résultats dont ils ont besoin en quelques jours.
Encore une fois, ma question au premier ministre, ceux qui veulent visiter leurs proches dans les foyers collectifs ou les foyers de soins de longue durée ont besoin d'avoir des résultats négatifs dans les deux semaines qui suivent, qui précèdent la visite. Et plusieurs fois, il y a eu des retards. Il y a des gens qui n'ont pas pu rendre visite à leurs proches depuis des mois. Et à cause de cette mauvaise stratégie, ils manquent leur rendez-vous de visite qu'ils attendent impatiemment, comme vous pourrez l'imaginer. Cela aurait dû être réglé il y a des mois. On ne peut pas attendre plus longtemps, on a besoin d'action. Pendant combien de temps les Ontariens vont devoir attendre avant que ce gouvernement finalement réussisse à faire son travail et à régler le problème avec les tests, le système de tests? Réponse. Depuis le début de la COVID-19, nous avons été en mesure d'effectuer environ 20 000 tests par jour. Évidemment, nous savons que les résultats doivent sortir rapidement et dans la majorité des cas, nous avons des résultats en 48 heures. Il y a quelques zones où il y a des circonstances précises où on va devoir enquêter, mais je peux le dire clairement aux gens, si vous pensez que vous avez besoin d'un test de la COVID-19, allez le faire. Nous essayons de régler le problème, mais nous avons augmenté la capacité de test de façon drastique et nous avons les taux de tests les plus élevés au Canada et on va continuer de le faire. Prochaine question, député de Flamborough-Glanbrook. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Héritage, du Sport et de la Culture. Depuis le début de la COVID-19, notre gouvernement a adopté une approche proactive pour essayer d'appuyer les 75 milliards de personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme, de la culture et du sport. L'une des premières mesures qui a été adoptée par le ministère, c'est d'essayer d'avoir des panels d'experts, 14 panels pour essayer de parler des problèmes et de discuter de solutions. Les ministères qui traitent avec le domaine de l'hospitalité ont essayé de travailler avec ce panel pour essayer de régler les problèmes, que ce soit dans des présentations ou dans des recommandations aux différents ministères. Nous savons que ce secteur est important pour notre économie. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point le tourisme est important pour l'Ontario? Réponse. Je veux remercier la députée pour son intérêt dans cette zone, mais aussi pour sa compréhension du secteur du tourisme et ce qui se passe là-dedans depuis la COVID-19. Le secteur des hôtels a été décimé. Il y a eu des pertes de 1,5 milliard de dollars partout dans la province. Mais vers le 12 mars, avant la pause de mars, le secteur a complètement été affecté. À l'époque, il y avait une occupation de 10% et cela a contribué à des millions de pertes d'emplois et de revenus. 50% des hôtels dans ma circonscription ont fermé. 6 000 personnes ont perdu leur emploi. C'est pour cela que j'ai créé ce conseil pour ce comité de conseil ministériel pour assurer qu'on essaye d'appuyer ces entreprises. Mais on s'attend à une relance en 2022. Question complémentaire. Je sais que vous êtes passionné dans l'appui que vous offrez à ce secteur et nous savons que ce secteur nous aide à tous. Alors que vous continuez de travailler avec les experts dans ce domaine. Ce sera particulièrement important lors de la relance de la COVID, la relance de la province et la rouverture d'autres secteurs. Nous savons que c'est important d'avoir des options pour les gens qui voyagent et qui aimeraient loger localement. Nous savons que plus de secteurs dans notre économie vont être mis en lumière et vont être en mesure de briller. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les prochaines étapes dans les plans de relance vont permettre la réouverture de nos secteurs des hospitalités? Réponse.
Merci beaucoup. La députée comprend, la députée fait partie du comité permanent sur les affaires gouvernementales et financières, et donc elle a entendu les présentations sur ce sujet. Et je veux parler justement de la crise sociale à laquelle on fait face. Les militants ont fourni un rapport qui montre que 6% des Canadiens ont peur de loger dans des hôtels en ce moment. Et en ce moment, il y a 40% des visiteurs qui ont dépensé au cours des derniers mois dans le secteur des touristes. Et c'est pour cela que le gouvernement a investi 13 millions de dollars pour essayer de relancer ce secteur. Et je demande à tous les députés de continuer de visiter les endroits cultes, les monuments. Et je demande à tous les députés de cette Assemblée d'être des exemples et de faire des visites dans notre communauté pour améliorer le secteur de l'hospitalité et de montrer qu'on les apprécie vraiment. Prochaine question, nous avons la députée de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, on aurait pu pardonner au gouvernement pour les politiques qu'ils ont changées, améliorées. C'était des temps inédits, mais maintenant, ça fait des mois. Et les entreprises continuent d'avoir du mal à survivre dans cette province. Et les familles qui possèdent clairement ces entreprises sont au bout du rouleau. Ça fait des mois qu'ils n'ont plus de revenus. Ils n'arrivent pas à payer leurs loyers commerciaux. Ils sont en dette d'environ 60 000 $ et ils n'arrivent pas à rester viables malgré l'interdiction des expulsions. On sait que beaucoup des propriétaires ne participent pas à ce programme. Et on le voit, c'est le cas de 40% des propriétaires en Ontario. Et on sait également que plusieurs de ces personnes ne voient pas l'intérêt de ce programme d'aide commerciale. Est-ce que le gouvernement est prêt à aider à contrôler ces entreprises qui sont en train de fermer les portes? Elles nous ont appuyés, on a besoin de les appuyer aussi. Réponse. Je remercie la députée pour cette question importante. Je sais qu'elle va regarder la conférence de presse aujourd'hui. On a des nouvelles très enthousiastes. On veut qu'il y ait plus d'entreprises qui rouvrent. Et pour pouvoir appuyer les entreprises et les aider à combattre la COVID-19, nous avons fourni des mesures qui vont permettre d'aider ces professionnels à rouvrir. C'est pour cela que nous avons fourni de l'aide de 17 milliards de dollars pour aider ces entreprises à avoir des reports de crédits fiscaux. Nous avons le gouvernement fédéral qui a permis d'aider 20 000 locataires et on a 100 000 employés qui travaillent également avec ces locataires. Et donc, on aide déjà ces petites entreprises. Et notre objectif ici, c'est de relancer l'économie de façon durable et efficace. Question complémentaire. Ce gouvernement à rapporter les dettes. C'est ce qui se passe. Ça veut dire que les entreprises vont fermer leurs portes plus tard. Mais en ce moment, ils ne pourront pas générer 25 % de leurs revenus. Ça fait 60 000 $ de dettes. Et une entreprise qui milite pour leur programme n'ont rien reçu de la part du gouvernement. C'est une petite franchise. Quelques-unes ici en Ontario ont déjà fermé. Et pour empirer les choses, lorsqu'ils ont demandé la réouverture de leurs autres branches, on leur a donné des informations qui n'étaient pas très claires. Le moins qu'on puisse faire, c'est de leur donner de la clarté en ce qui a trait à la réouverture. Ils ont besoin de savoir et ils ont besoin d'aide de la part du gouvernement. Si ces entreprises échouent, nous n'allons pas pouvoir relancer l'économie. Et la première des choses qu'on a entendues dans les comités, c'est qu'on ait des subventions directes pour l'aide de loyer commercial. Quand est-ce que le gouvernement va se battre pour ces entreprises? Réponse. Plus d'un milliard de dollars avec nos partenaires fédéraux pour aider les petites entreprises à payer leur loyer. 10 milliards de dollars, c'est beaucoup d'aide. Et la députée, justement, avait voté pour ces reports fiscaux.
Nous avons investi déjà 300 millions de dollars pour aider avec les factures d'électricité pour les petites entreprises. Et clairement, je sais que le casino de Water Parks et les parcs d'attractions auraient dû réouvrir, mais on doit suivre les conseils des professionnels de santé. Et je demande à la députée de regarder la conférence de presse. Nous n'allons pas placer la sécurité au devant de notre économie. Ce qu'on appuie, c'est une relance durable. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? Les gens ont réouvert trop tôt. Clairement, je suis sûre qu'elle va appuyer le Premier ministre aujourd'hui et les annonces qui vont venir plus tard dans la journée, dans la semaine. Rappel alors. Prochaine question, député de Barrie et Nelsfield. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Ressources naturelles et de la Forêt. Dans ma circonscription, nous avons le festival d'été d'Innisfail où les enfants vont pêcher près de South Simcoe. Et nous savons que les familles essayent d'avoir des activités de ce genre de façon abordable. Alors j'aimerais demander, qu'est-ce que le ministre fait pour essayer de connecter plus de gens avec la nature? Réponse. Merci beaucoup. Merci à la députée de Barrie-Innisfail pour sa question. Elle a d'accord. Elle a raison. Tout le monde a été affecté par la COVID-19 ici en Ontario et partout dans le monde. Nous, on sait que l'isolement, ça a été un gros problème pour beaucoup de gens et surtout pour les personnes qui vivent dans les zones urbaines où ils n'ont pas les activités extérieures pour essayer de se connecter avec la nature. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des semaines de pêche gratuites le jour de la fête des pères ou de la fête des mères. On a eu deux semaines en juillet déjà pour permettre à tout le monde de venir pêcher de façon gratuite sans permis de pêche et sans autre carte d'activité pour juste apprécier les activités extérieures et la nature où on peut prendre du plaisir à avoir ce genre d'activité pour toute une semaine. Question complémentaire. Je remercie le ministre des richesses naturelles et des forêts pour avoir encouragé les gens à essayer d'essayer la pêche. Et moi, justement, j'ai visité la ferme de Simcoe, Stéphanie et Jessie, qui sont les propriétaires, ont justement dit que la pêche fait partie de leurs activités commerciales et ça contribue environ 200 millions de dollars dans le secteur de la culture pour l'économie locale. Plusieurs des marinas, par exemple, méritent et bénéficient justement de ce genre de programme. Mais clairement, j'aimerais savoir comment est-ce que la pêche va impacter la création d'emplois dans cette province. Réponse. Merci à la députée encore pour sa question. Comme d'habitude, elle a tout à fait raison. L'impact que la pêche a sur la vie de nombreuses personnes est juste incommensurable. Dans la province, mais aussi dans le monde. En Ontario, ça ajoute 230 millions de dollars. Mais de façon annuelle, c'est 1,6 milliard de dollars pour les communautés rurales et surtout pour les communautés du Nord. C'est un style de vie. La pêche existe depuis la création du monde. Et nous savons que, clairement, on entend parler de ça dans la Bible. C'est une façon de vivre, c'est une activité culturelle vraiment excellente. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager en Ontario. C'est le meilleur moyen de passer du temps en famille, mais aussi d'appuyer ces entreprises viables et importantes qui ont été affectées plus que toute autre personne dans cette communauté. C'est une bonne façon d'appuyer ces entreprises. Prochaine question, député de Saint-Catherine. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Katie Tuals est une enseignante de Saint-Catherine. Son fils doit commencer la maternelle à Locksview Public School cet automne. Et le manque de services de garde cause beaucoup de stress dans sa vie. C'est une infirmière et donc elle travaille à temps plein depuis le début de la pandémie.
elle n'est pas en mesure de pouvoir avoir des services de garde pour son enfant parce qu'il n'y a pas de place. Et cette incertitude crée beaucoup de demandes en termes de services de garde dans la région de Niagara. Et clairement, ces deux parents sont des travailleurs essentiels et sont très importants dans le combat contre la COVID-19. Alors, comment est-ce que ce gouvernement s'attend à ce que les élèves retournent à l'école si les travailleurs les plus essentiels ne peuvent même pas trouver des services de garde? Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question. L'engagement du gouvernement est axé sur les enfants, sur les élèves et pour leur retour à l'école. C'est pour cela que nous prenons des mesures pour assurer que plus de parents pourront revenir au travail avec confiance. Ici, on essaie de s'appuyer sur la sécurité à l'école et la sécurité dans les services de garde. Et nous avons été clairs. Nous allons nous assurer, nous allons nous préparer pour tous les scénarios. Mais ici, on essaye d'avoir trois grands modèles. Nous sommes reconnaissants envers les gens de l'Ontario qui ont essayé de se focaliser sur ce modèle quotidien et on veut s'assurer qu'ils vont pouvoir retourner au travail. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore pour au Premier ministre. Lorsque Niagara est entré dans la phase 2, Sarah, une mère célibataire, m'a contactée parce qu'elle avait besoin de services de garde pour retourner au travail, mais elle ne pouvait rien trouver. Au moment où elle a trouvé les services de garde, son employeur lui a dit qu'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre pour la position à temps plein et devait être maintenant à temps partiel. Nous savons que cette pandémie affecte les femmes de façon particulière et ce gouvernement ne va faire qu'empirer les choses. Ce n'est pas juste qu'une mère célibataire qui travaille à temps plein doit choisir entre son travail et les services de garde sécurisés. Comment est-ce que ce gouvernement va permettre d'empêcher que ces femmes comme Sarah soient affectées de façon disproportionnée quand il est clair qu'il n'y a pas assez de services de garde disponibles? Clairement, nous avons eu des ordonnances pour assurer que la protection des consommateurs est en place. Nous avons également assuré qu'il y ait des financements pour les conditions précoces. Nous avons essayé d'assurer qu'il y a des services de garde pour les parents dans la province. On veut s'assurer que les parents puissent revenir au travail. C'est pour cela que nous allons avoir plus de capacités dans les services de garde dans la province en travaillant en collaboration avec les médecins hygiénistes en chef parce que ces travailleurs essentiels ont fait un travail important dans la réduction des cas et on veut s'assurer que nous appuyons les parents, que les enfants sont en sécurité et que les opérateurs sont disponibles pour les décennies à venir. Merci. C'est tout pour la période des questions ce matin. Nous avons un vote inscrit pour